Français. Phrase et ponctuation. La phrase. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Exemple. Le garçon sort la poubelle. Le garçon sort la poubelle est une suite de mots qui a un sens. C'est une phrase. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Dans l'exemple, la phrase commence par un L majuscule et se termine par un point. La ponctuation dans la phrase. Il existe trois types de points pour finir une phrase. Le point d'interrogation et le point d'exclamation. Une phrase qui se termine par un point donne une information. Une phrase qui se termine par un point d'interrogation pose une question. Une phrase qui se termine par un point d'exclamation donne un ordre ou exprime l'admiration. Exemple, avec un point simple. Je suis à la campagne. Je suis à la campagne donne une information. On termine donc cette phrase par un simple point. Exemple, avec un point d'interrogation. Comment est le paysage? Comment est le paysage? Pose une question. On termine la phrase par un point d'interrogation. Exemple avec un point d'exclamation. Le paysage est magnifique. Le paysage est magnifique exprime l'admiration. On termine la phrase par un point d'exclamation. Dans une phrase, on peut séparer des groupes de mots par une virgule ou deux points. L'emploi de la virgule permet de marquer un temps d'arrêt entre chaque groupe de mots. Les deux points sont utilisés pour introduire une explication ou une énumération. Exemple. Les 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les deux points servent à introduire l'énumération des jours de la semaine. Et les virgules servent à séparer les éléments énumérés, ici, les jours de la semaine. Exercice numéro 1. Trouvez le point qui convient à la fin de chaque phrase. Où est ton cartable? Ma chérie, tu es magnifique. Le chat fait partie de la famille des félins. On ne court pas dans le couloir. Quelle heure est-il? Phrase numéro 1. Où est ton cartable? Pose une question. On termine donc cette phrase par un point d'interrogation. Phrase numéro 2. Ma chérie, tu es magnifique. Exprime l'admiration. On termine donc cette phrase par un point d'exclamation. Phrase numéro 3. Le chat fait partie de la famille des félins. Donne une information. On termine donc cette phrase par un simple point. Phrase numéro 4. On ne court pas dans le couloir, donne un ordre. On termine donc cette phrase par un point d'exclamation. Phrase numéro 5. Quelle heure est-il? Pose une question. On termine donc cette phrase par un point d'interrogation. Exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes avec des virgules ou des points. Cet été, Lucie va à la mer. Elle souhaite profiter du soleil, de la plage et du sable fin. Lucie a hâte de siroter du jus de noix de coco, les pieds dans le sable, en tenue de vacances. Dans sa valise, elle va prendre son chapeau, ses lunettes de soleil et sa bouée. Ça va être génial. Passons à la correction de l'exercice. Cet été, virgule, Lucie va à la mer, point. Elle souhaite profiter du soleil, virgule, de la plage et du sable fin, point. Lucie a hâte
de siroter du jus de noix de coco, virgule, les pieds dans le sable, virgule, en tenue de vacances, point. Dans sa valise, elle va prendre son chapeau, virgule, ses lunettes de soleil et sa bouée, point. Ça va être génial, point d'exclamation. Grammaire. Les types et les formes de phrases. Avec petit chat. Oh, petit chat. Bonjour les amis. Petit chat se pose une question. Que sont le type et la forme d'une phrase ? Les types de phrases. Il existe quatre types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative ou injonctive. La phrase déclarative donne une information, rapporte un fait, énonce une idée. Elle se termine par un point. Un point. Exemple de phrase déclarative. Aujourd'hui, il pleut. La phrase interrogative pose une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Exemple de phrases interrogatives. Quelle heure est-il ? La phrase exclamative exprime un sentiment, joie, colère, étonnement. Elle se termine par un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Exemple de phrase exclamative. Que la montagne est haute. La phrase impérative ou injonctive donne un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Un point ou un point d'exclamation. Exemple de phrase impérative. Ne cours pas dans le couloir. Les formes de phrases. Les phrases peuvent être à la forme affirmative ou négative. La phrase affirmative affirme quelque chose, dit quelque chose de vrai ou exprime un accord. On peut la commencer par « oui ». Exemple de phrase affirmative. L'ampoule est allumée. On peut commencer la phrase par « oui ». Oui, l'ampoule est allumée. La phrase négative comporte une négation, dit le contraire de quelque chose ou exprime un désaccord. On peut la commencer par « non ». Exemple de phrase négative. L'ampoule n'est pas allumée. On peut commencer la phrase par non. Non, l'ampoule n'est pas allumée. La négation est marquée par les adverbes de négation n'pas qui encadrent le verbe être. Adverbe de négation. À la forme négative, le verbe est encadré par des adverbes de négation tels que « ne pas »,« ne plus », »,« ne jamais ». Exercice. Indiquez le type et la forme des phrases qui vont suivre. Phrase numéro 1. Quelle belle maison ! Quel est le type et la forme de la phrase ? La phrase est exclamative et de forme affirmative.
Phrase numéro 2. Les enfants jouent au football. Quel est le type et quelle est la forme de la phrase? La phrase est déclarative et de forme affirmative. Phrase numéro 3. Comment tu t'appelles? Quel est le type et quelle est la forme de la phrase? La phrase est interrogative et de forme affirmative. Phrase numéro 4. Il ne pleut pas en ce moment. Quel est le type et quelle est la forme de la phrase? La phrase est déclarative et de forme négative. La négation est marquée par les adverbes de négation « ne pas » qui encadrent le verbe « pleuvoir ». Phrase numéro 5. Ne saute pas dans la flaque d'eau. Quel est le type et quelle est la forme de la phrase? La phrase est impérative, de forme négative. La négation est marquée par les adverbes de négation « ne pas » qui encadrent le verbe « sauter ». Phrase numéro 5. Le ciel n'est-il pas bleu? Quel est le type et quelle est la forme de la phrase? La phrase est interrogative. Elle pose une question et de forme négative. La négation est marquée par les adverbes de négation n'pas qui encadrent le verbe être. Phrase numéro 6. Cette glace est délicieuse. Quel est le type et quelle est la forme de la phrase? La phrase est exclamative de forme affirmative. Super! J'ai tout compris! Au revoir les amis! Grammaire. Le sujet et le verbe. Avec Madame Fleur. Oh, Madame Fleur. Bonjour les amis. Madame Fleur se pose une question. Qu'est-ce que c'est le sujet et le verbe? Le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple d'action. Les enfants sautent sur le trampoline. Saute, c'est le verbe sauter. Il exprime une action, l'action de sauter. Exemple d'état. La marguerite est une fleur. Est, c'est le verbe être. Il exprime un état. Infinitif du verbe. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. L'infinitif est sans indication de personne ou de temps. Exemple de verbe à l'infinitif. Les verbes d'action. Courir, sauter, jouer, lire, écrire, parler, agir. Donc ça, c'est une liste de verbes d'action. Il en existe d'autres. Et il y a les verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Donc voici une liste de verbes d'état qui sont à l'infinitif. Dans les verbes, il y a soit des verbes d'action, soit des verbes d'état. Conjugaison du verbe. Le verbe se conjugue, c'est-à-dire que sa terminaison change selon la personne et le temps.
selon la personne. Ici, nous avons conjugué le verbe sauter au présent de l'indicatif. Dans un verbe conjugué, il y a le radical. C'est la partie qui ne change pas et la terminaison qui est la partie du verbe qui change. La première personne du singulier, je saute, au présent de l'indicatif. Deuxième personne du singulier, tu sautes, avec un S. Troisième personne du singulier, il ou elle saute. Première personne du pluriel, nous sautons, ONS. Deuxième personne du pluriel, vous sautez, EZ. Troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, saute, ENT, pour la terminaison. On voit bien que selon la personne, la terminaison du verbe change. Voyons maintenant comment la terminaison change selon le temps. Alors ici, nous avons conjugué le verbe sauter à la première personne du singulier dans différents temps. Au passé, plus précisément à l'imparfait, je sautais, AIS. Au présent, je saute, ES, pour la terminaison. Et au futur, je sauterai, ERAI, pour la terminaison. Donc on voit bien également ici que la terminaison change selon le temps. C'est ce que l'on appelle la conjugaison du verbe. Le sujet. Le sujet du verbe désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action décrite par le verbe. Le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. Exemple où le sujet est un animal. Le chien tire la langue. Tire, c'est le verbe tirer. Et l'animal qui fait l'action, c'est le chien. Donc le chien est le sujet du verbe. Exemple où le sujet est une personne. L'enfant joue de la musique. Joue, c'est le verbe jouer. Et la personne qui fait l'action de jouer de la musique, c'est l'enfant. Donc le sujet, c'est l'enfant. Exemple où le sujet est une chose. Le phare brille dans la nuit. Brille, ici c'est le verbe briller. Et la chose qui fait l'action, c'est le phare. Donc le sujet du verbe, c'est le phare. Pour identifier le sujet du verbe, on pose la question « Qui est-ce qui ?» pour une personne ou un animal, et « Qu'est-ce qui ?» pour une chose. Exerçons-nous un peu. Dans les phrases qui vont suivre, il faudra d'abord trouver le verbe et ensuite trouver le sujet du verbe. Phrase numéro 1. Le rouge-gorge est sur la branche. Alors, est, c'est le verbe être. Et étant donné que c'est un animal, on va poser la question. Qui est-ce qui est sur la branche? C'est le rouge-gorge. Donc le rouge-gorge, c'est le sujet du verbe. C'est le sujet. Phrase numéro 2. La lavande sent très bon. Donc le verbe, c'est sent. C'est le verbe sentir. Et étant donné que c'est une chose, on va poser la question, qu'est-ce qui sent très bon? C'est la lavande. Donc le sujet, c'est la lavande. Le sujet de la phrase, le sujet du verbe, c'est la lavande. Phrase numéro 3.
le dauphin gris saute hors de l'eau. Donc le verbe ici, c'est saute. C'est le verbe sauter. C'est un verbe d'action. Et alors on va poser la question, qui est-ce qui saute hors de l'eau ? Qui est-ce qui saute ? C'est le dauphin gris. Donc le sujet, c'est le dauphin gris. Phrase numéro 4. Le monsieur marche sous la pluie. Le verbe de la phrase, c'est marche. C'est le verbe marcher. Et étant donné que c'est une personne, on va poser la question, qui est-ce qui marche sous la pluie ? C'est le monsieur. Donc le sujet de la phrase, c'est le monsieur. Phrase numéro 5. Le joli paon fait la roue. Alors le verbe ici, c'est fait. C'est le verbe faire. Et c'est un animal, donc on va poser la question, qui est-ce qui fait la roue ? C'est le joli paon. Donc le sujet du verbe, c'est le joli paon. Phrase numéro 6. Le cadeau est bien emballé. Donc ici, le verbe de la phrase, c'est « est ». C'est le verbe « être ». Et étant donné que c'est une chose, on va poser la question, qu'est-ce qui est bien emballé ? C'est le cadeau. Donc le sujet de la phrase, c'est le cadeau. Phrase numéro 7 et dernière phrase. Le cheval galope dans le champ. Donc le verbe ici, c'est galope. C'est le verbe galoper, c'est un verbe d'action. Et c'est un animal, donc on va poser la question, qui est-ce qui galope dans le champ ? C'est le cheval. Donc le sujet de la phrase, c'est le cheval. Super ! J'ai tout compris ! Au revoir les amis ! Grammaire. Les pronoms personnels sujet. Avec petit chat. Oh, petit chat. Bonjour les amis. Petit chat se pose une question. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom ? Le pronom. Dans une phrase, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom permet de ne pas répéter le nom ou le groupe nominal. Exemple. Le petit chat sourit. Le petit chat est un groupe nominal. Il peut être remplacé par le pronom il. Il sourit. D'accord. Le pronom, ça peut remplacer le nom. Et qu'est-ce que c'est qu'un pronom personnel sujet ? Le pronom personnel sujet. Les pronoms personnels sujet sont les mots suivants. À la première personne du singulier, je. À la deuxième personne du singulier, tu. À la troisième personne du singulier au masculin, il. À la troisième personne du singulier au féminin, elle. À la troisième personne du singulier indéfini, on. À la première personne du pluriel, nous. À la deuxième personne du pluriel, vous. À la troisième personne du pluriel au masculin, il.
à la troisième personne du pluriel au féminin, elle. Je et nous désignent les personnes qui parlent. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle. Il, elle, il avec un S et elle avec un S remplacent des noms et évitent de les répéter. On peut désigner les gens, tout le monde ou quelqu'un. Exercice. Dans les phrases qui vont suivre, remplacez les mots soulignés par le pronom personnel qui convient. Phrase numéro 1. Le tigre traverse la rivière. Le tigre est le groupe nominal à remplacer. Il peut être remplacé par le pronom personnel sujet. Il. Il traverse la rivière. Phrase numéro 2. Les tortues marchent sur le tronc. Les tortues est le groupe nominal à remplacer. Les tortues peuvent être remplacées par le pronom personnel sujet. Elles, au pluriel, marchent sur le tronc. Phrase numéro 3. La rose est rouge. La rose est le groupe nominal à remplacer. La rose peut être remplacée par le pronom personnel sujet « elle ». « Elle est rouge ». Phrase numéro 4. La colombe vole dans le ciel. La colombe est le groupe nominal à remplacer. La colombe peut être remplacée par le pronom personnel sujet « elle ». « Elle vole dans le ciel ». Phrase numéro 5. Toi et moi sommes amis. Toi et moi peut être remplacé par le pronom personnel sujet « nous ». « Nous sommes amis ». Phrase numéro 6. Fabrice et toi êtes contents. Fabrice et toi est le groupe nominal à remplacer. Fabrice et toi peut être remplacé par le pronom personnel sujet « vous ». Vous êtes content. Super ! J'ai tout compris ! Au revoir les amis ! Exercice de lecture. Les pronoms personnels. Je. Je porte un pantalon noir. Tu. Tu portes une jupe violette. Il. Il aime manger des sushis. Elle adore les dauphins. Nous partons jouer au parc. Vous allez glisser sur le toboggan. Il. Ils sont partis sans moi. Elle. Elles ont de jolies chaussures. En résumé. Je. Tu.
Il. Il. Elle. Elle. Nous. Nous. Vous. Vous. Il. Il. Elle. Elle. Grammaire. Le nom commun et le nom propre. Avec petit chat. Oh, petit chat. Bonjour les amis. Petit chat se pose une question. Qu'est-ce que c'est un nom? Le nom. Un nom est un mot qui désigne ou nomme une personne. Evan. Evan est un nom. Un objet. Une tasse. Tasse est un nom. Ou un animal. Un loup. Loup est un nom. Il existe différents types de noms. Parmi ceux-ci, le nom commun et le nom propre. D'accord, le nom désigne des êtres ou des choses. Mais quelle est la différence entre le nom commun et le nom propre? Le nom commun. Un nom commun est un nom qui désigne de manière générale, une personne, une fille. Fille, c'est un nom commun. Un objet. Un verre. Verre, c'est un nom commun. Ou un animal. Un ours. Ours, c'est un nom commun. Le nom commun ne commence pas par une majuscule. Le nom propre. Un nom propre commence toujours par une majuscule. Paris est un nom propre qui commence par une majuscule. Un nom propre est un nom qui désigne de manière précise, une personne par son prénom et son nom. Emma Dupont. Emma et Dupont sont des noms propres et ils commencent tous deux par une majuscule. Un animal. Rex. Rex est un nom propre. C'est le nom qui est propre à ce chien. Et Rex commence par une majuscule. Ou un endroit. Ce peut être un pays. La France. France est un nom propre. Et France commence par une majuscule. Ou ce peut être une ville. Londres. Londres est un nom propre. Londres commence par un L majuscule. Un nom propre indique comment la personne, l'animal ou l'endroit s'appelle. Exerçons-nous un peu. Trouve si le nom suivant est un nom commun ou un nom propre. Nom commun ou nom propre? Sébastien. Sébastien est un nom propre. C'est le prénom de ce garçon. Il est unique, il est propre à ce garçon. Il commence par une majuscule. Nom commun ou nom propre? Ville. Ville est un nom commun.
Nom commun ou nom propre? Renard. Renard est un nom commun. Nom commun ou nom propre? Belgique. Belgique est un nom propre. C'est un nom de pays. Il commence par une majuscule. Nom commun ou nom propre? Garçon. Garçon est un nom commun. Nom commun ou nom propre? Berlin. Berlin est un nom propre. C'est le nom de la capitale de l'Allemagne. Il commence par un B majuscule. Super! J'ai tout compris! Au revoir les amis! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu! Français. Les déterminants. Déterminant. Un déterminant est un petit mot que l'on place devant le nom. Exemple. Mon ordinateur est posé sur la table. Ordinateur est un nom. Mon est un déterminant. Le déterminant s'accorde en genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le nom qui l'accompagne. Exemple. Fille. Fille est un nom féminin employé ici au singulier. On va donc utiliser un déterminant féminin singulier. Une fille. Garçon est un nom masculin employé ici au singulier. On va donc utiliser un déterminant masculin singulier. Un garçon. Fleur est un nom féminin employé ici au pluriel. On va donc utiliser un déterminant féminin pluriel. Des fleurs. Livre est un nom masculin employé ici au pluriel. On va donc utiliser un déterminant masculin pluriel. Mes livres. Les articles. Les principaux déterminants sont les articles. On peut classer les articles dans un tableau. Article du féminin singulier. Une, la, elle apostrophe. Article du masculin singulier. Un, le, elle apostrophe. Article du pluriel. Les, des. Les articles font partie des déterminants, mais il existe d'autres déterminants. Exercice. Dans les groupes nominaux suivants, identifiez les déterminants. Précisez s'il s'agit d'un article. Le lapin, les vélos, ma maison, l'avion, des ballons, sa voiture. Dans le groupe nominal le lapin, le est le déterminant. C'est également un article. Dans le groupe nominal les vélos, les est le déterminant. C'est également un article. Dans le groupe nominal ma maison, ma est le déterminant. Ma n'est pas un article. Dans le groupe nominal l'avion, l'apostrophe est un déterminant. C'est également un article. Dans le groupe nominal des ballons, des
est le déterminant. C'est également un article. Dans le groupe nominal « sa voiture », « sa » est un déterminant. « Sa » n'est pas un article. Français. Le genre des noms. Féminin ou masculin. Un nom peut être de genre féminin ou masculin. Un nom est féminin quand on peut placer devant ce nom les articles « la » ou « une ». Exemple. Maison. Maison est un nom féminin. On dit « une maison » ou « la maison ». Un nom est masculin quand on peut placer devant ce nom les articles « le » ou « un ». Exemple. Bâtiment. Bâtiment est un nom masculin. On dit « un bâtiment » ou « le bâtiment ». L'article « et l'idée » l'apostrophe s'emploie aussi bien devant un nom féminin que devant un nom masculin. L'article « et l'idée » l'apostrophe remplace les articles « le » ou « la » devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Pour déterminer le genre du nom, il faut remplacer le L' par un au masculin ou une au féminin. Exemple. On ne dit pas le arrosoir, mais l'arrosoir avec un L'. Pour déterminer le genre du nom arrosoir, il faut remplacer L' par un. On dit un arrosoir, donc arrosoir est un nom masculin. On ne dit pas la hirondelle, mais l'hirondelle avec un L'. Pour déterminer le genre du nom hirondelle, on remplace le L' par une. On dit une hirondelle. Hirondelle est un nom féminin. Nom à la fois féminin et masculin. Certains noms peuvent avoir les deux genres. C'est l'article qui accompagne le nom qui permet de savoir s'il est féminin ou masculin. Exemple. Élève. S'il s'agit d'une élève, élève est un nom féminin. S'il s'agit d'un élève, élève est un nom masculin. Attention, certains noms ont des significations différentes au féminin et au masculin. Exemple. Au féminin, une poêle est un ustensile de cuisine. Au masculin, un poêle est un appareil de chauffage. Exercice numéro 1. Trouvez le genre de chaque nom. Féminin ou masculin? Lampe. On dit une lampe ou la lampe. Donc lampe est un nom féminin. Féminin ou masculin? Canapé. On dit un canapé ou le canapé. Donc canapé est un nom masculin. Féminin ou masculin? Arbre. On dit un arbre ou l'arbre. Donc arbre est un nom masculin. Féminin ou masculin? Plante. On dit une plante ou la plante. Donc plante est un nom féminin. Féminin ou masculin? Kiwi. On dit un kiwi ou le kiwi. Donc kiwi est un nom masculin. Féminin ou masculin? Pomme. On dit une pomme ou la pomme.
Donc pomme est un nom féminin. Féminin ou masculin? Sac. On dit un sac ou le sac. Donc sac est un nom masculin. Féminin ou masculin? Valise. On dit une valise ou la valise. Donc valise est un nom féminin. Féminin ou masculin? Moto. On dit une moto ou la moto. Donc moto est un nom féminin. Féminin ou masculin? Bateau. On dit un bateau ou le bateau. Donc bateau est un nom masculin. Exercice numéro 2. Trouvez l'article qui convient parmi un ou une. Le boulanger a utilisé un ou une livre de beurre. Emma a emprunté un ou une livre à la bibliothèque. Le magicien a fait un ou une tour de magie magnifique. Dans ce château, il y a un ou une tour majestueuse. Sur le navire, cet apprenti matelot est un ou une mousse. Il nous a préparé un ou une mousse au chocolat. Phrase numéro 1. Le boulanger a utilisé une livre de beurre. Phrase numéro 2. Emma a emprunté un livre à la bibliothèque. Phrase numéro 3. Le magicien a fait un tour de magie magnifique. Phrase numéro 4. Dans ce château, il y a une tour majestueuse. Phrase numéro 5. Sur le navire, cet apprenti matelot est un mousse. Phrase numéro 6. Il nous a préparé une mousse au chocolat. Français. Le nombre des noms. Singulier ou pluriel? Un nom est au singulier lorsqu'il désigne une seule chose, une seule personne ou un seul animal. Singulier, un seul. Il peut être précédé d'un déterminant au singulier. Le, la, un, une, son, sa, etc. Exemple. Le renard, la girafe, un lion. Ces noms sont au singulier. Un nom est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs choses, plusieurs personnes ou plusieurs animaux. Pluriel, plusieurs. Il peut être précédé d'un déterminant au pluriel. Les, des, ces, mais, tes, etc. Exemple, les renards avec un S, les girafes avec un S, les lions avec un S. Ces noms sont au pluriel. Les marques du pluriel. En général, il suffit d'ajouter un S à la fin du nom au singulier pour former le pluriel. Exemple. Un enfant donne au pluriel des enfants avec un S. La tasse donne au pluriel les tasses avec un S. La plupart des noms se terminant par EU ou AU au singulier prennent un X au pluriel. Exemple.
Le jeu donne au pluriel les jeux avec un X. Un anneau donne au pluriel des anneaux avec un X. Attention, certains noms s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel. Exemple. Une souris donne au pluriel des souris. Un tas donne au pluriel des tas. On constate que ces noms ont la même orthographe au singulier et au pluriel. Exercice numéro 1. Classez les groupes nominaux dans le tableau. Un gâteau, la chaise, les portes, le train, mes livres, des voitures, une table, tes affaires, l'avion, ses jouets. Un gâteau est un groupe nominal au singulier. La chaise est un groupe nominal au singulier. Les portes est un groupe nominal au pluriel. Le train est un groupe nominal au singulier. Mes livres est un groupe nominal au pluriel. Des voitures est un groupe nominal au pluriel. Une table est un groupe nominal au singulier. Tes affaires est un groupe nominal au pluriel. L'avion est un groupe nominal au singulier. Et ses jouets est un groupe nominal au pluriel. Exercice numéro 2. Écrire ces groupes nominaux au pluriel. Une balle bleue, le petit garçon, la belle maison, mon joli lapin, un carton gris. Une balle bleue donne au pluriel des balles bleues avec un S à balle et un S à bleu. Le petit garçon donne au pluriel les petits garçons avec un S à petit et un S à garçon. La belle maison donne au pluriel les belles maisons avec un S à belle et un S à maison. Mon joli lapin donne au pluriel mes jolis lapins avec un S à joli et un S à lapin. Un carton gris donne au pluriel des cartons gris avec un S à carton. Gris est un nom qui a la même orthographe au singulier et au pluriel. Grammaire. L'adjectif qualificatif. Avec petit chat. Oh, petit chat. Bonjour les amis. Petit chat se pose une question. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser le nom. Exemple. Une fleur rouge. Fleur, c'est un nom, et rouge, c'est un adjectif qualificatif. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. On dit qu'il qualifie le nom. L'adjectif peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifie. Exemple. L'enfant content lit une petite histoire. Content et petite
sont des adjectifs qualificatifs. L'enfant et histoire sont des noms. Dans le premier cas, l'adjectif qualificatif content est placé après le nom enfant. Dans le second cas, l'adjectif qualificatif petite est placé avant le nom histoire. Accord. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. En genre, masculin, féminin. En nombre, singulier, pluriel. Tramway. Cas du masculin singulier. Un tramway bleu. L'adjectif qualificatif bleu s'accorde avec le nom tramway. Tramway est masculin singulier, donc bleu est au masculin et au singulier. Tramway au pluriel avec un S. Cas du masculin pluriel. Des tramways bleus. L'adjectif qualificatif bleu s'accorde avec le nom tramway. Tramway est masculin pluriel, donc bleu est au masculin et au pluriel. Voiture. Cas du féminin singulier. Une voiture bleue. L'adjectif qualificatif bleu s'accorde avec le nom voiture. Voiture est féminin singulier, donc bleu est au féminin et au singulier. Voiture au pluriel avec un S. Cas du féminin pluriel. Les voitures bleues. L'adjectif qualificatif bleu s'accorde avec le nom voiture. Voiture est féminin pluriel, donc bleu est au féminin et au pluriel. Tramway. Cas du masculin singulier. Un tramway vert. L'adjectif qualificatif vert s'accorde avec le nom tramway. Tramway est masculin singulier, donc vert est au masculin et au singulier. Tramway au pluriel avec un S. Cas du masculin pluriel. Des tramways verts. L'adjectif qualificatif vert s'accorde avec le nom tramway. Tramway est masculin pluriel, donc vert est au masculin et au pluriel. Voiture. Cas du féminin singulier. Une voiture verte. L'adjectif qualificatif verte s'accorde avec le nom voiture. Voiture est féminin singulier, donc verte est au féminin et au singulier. Voiture au pluriel avec un S. Cas du féminin pluriel. Les voitures vertes. L'adjectif qualificatif verte s'accorde avec le nom voiture. Voiture est féminin pluriel, donc verte est au féminin et au pluriel. Exercice. Dans les groupes nominaux suivants, trouvez le nom et trouvez l'adjectif qualificatif. Groupe nominal numéro 1. Une glace sucrée. Glace est le nom et sucré est l'adjectif qualificatif. Groupe nominal numéro 2. Une belle pelouse. Pelouse est le nom et belle est l'adjectif qualificatif. Groupe nominal numéro 3. Une grande montagne. Montagne
est le nom et grande est l'adjectif qualificatif. Groupe nominal numéro 4. Un chat mignon. Chat est le nom et mignon est l'adjectif qualificatif. Groupe nominal numéro 5. Une petite maison. Maison est le nom et petite est l'adjectif qualificatif. Super, j'ai tout compris. Au revoir les amis. À bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Pour acheter notre livre, suis le lien dans la description. Et pour nous soutenir, clique sur le bouton « Rejoindre ».